Allah est le meilleur dans son choix. Il nous a fait sortir de ce beau pays qu'est le Mali. Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, nous sommes des Maliens. Nous sommes de nationalité malienne. Et c'est ce pays qu'Allah a choisi pour nous. Ce pays, ce beau pays qu'Allah a choisi pour nous, est un pays que nous devons aimer. Comme notre prophète alayhi salatu wassalam a eu un amour, un très grand amour à l'endroit de la Mecque, un très grand amour à l'endroit de Médine. Et le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son peuple le faisait sortir de la Mecque, le prophète dit Wallahi inni a'lamu annaka khayra ardillah wa ahabbaha ila Allah. Wallahi, moi je sais que toi, Makka, tu es la ville qu'Allah aime beaucoup. Tu es la ville qui est préférée auprès d'Allah. Et moi, je t'aime aussi. Je jure par Allah, n'eût été que tes habitants m'ont poussé à sortir de toi, très certainement, je ne sortirai jamais de toi. Le prophète aimait Makka. En bel mot, Allah subhanahu wa ta'ala, attendons-nous qu'on fait. Que qui est à la kirakan sallallahu alayhi wa sallam, en gardant Allah tabarak wa ta'ala, allez dire, Masayi, miya anda, ayam bo, jamana okonomunu tekleye. Ayam bangeba usugandi anye. Ayam shia ufofo nyokonko. Ale Allahu ta'ala ka sugandi lisraula. Wa Allahu ta'ala yuke aka kudon kononana. Wa ale ala. Ayo sugandi li minke aounye de. Sigate ala. Here de be aounye ula. Ala yin jamana yin sugandi aounye. Ka aounke ni jamana denye. Noye maliye. O kama o jamana yin. O kanuni. O yewajibi de ankan. Aounkan kanga jamana kanu. Jamana minbe. Ni Allahu ta'ala yu sugandi ki ukan sigiroye. Ki ukan bokuloye. O jamana in kanuni o be anga li maniya do di fana ira ala kira sallallahu alaihi wasallam atun kera abe makka kanu kira tun kera sallallahu alaihi wasallam atun be madina kanu abotola makka tuma mina makka ka o ya gen ayikali alala aku wallahi no asro maga no asro e dunga o mutuma ne gen ne ben kali alala ne tun te bo ikonom telma ala kira tun me makka kanu sallallahu alaihi wasallam anga jamana akanuni ambalmo o ye li maniya do di waslame bela jelen kan ki chesri iki ka jamana ika kanu kanuna kanu mie kanu gelenye kanuna kanu mie ibi jorofa jamana jolila. Donc chacun d'entre nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre pays, une très grande responsabilité pour contribuer, n'est-ce pas, à bâtir ce beau Mali, faire de ce Mali un pays exemplaire, n'est-ce pas, sur le plan de la justice, un pays exemplaire sur le plan national, international, un pays exemplaire sur tous les plans de la bonne éthique. Chers frères, chers sœurs en islam, c'est ce que l'islam nous recommande. Et tout pays, on ne peut vivre dans un pays, dans la stabilité, si dans ce pays-là, il n'y a pas bien sûr la quiétude, il n'y a pas bien sûr la sécurité. Et malheureusement, depuis 2012 à nos jours, très certainement, nous sommes en train de vivre beaucoup de situations dans notre pays d'insécurité qui sont en train de bouleverser nos paisibles citoyens, qui sont en train de bouleverser notre quotidien. Finalement, nous avons trouvé, n'est-ce pas, des enfants qui sont devenus orphelins, des mères, n'est-ce pas, qui sont devenues des femmes, qui sont devenues veuves. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de perdre leur culture, sont en train de perdre tout leur blé à cause de cette insécurité. N'est-ce pas? D'où vient cette insécurité? Cette insécurité, elle vient d'où? Pourquoi nous étions en sécurité et actuellement nous sommes en insécurité? Le Coran nous donne sa version des faits. En bel mot, Allah Ta'ala aya anga jamana yin ke jamana dumanyi nga ni wati labona jamana yin gelew ba kono ni wati labona jamana yin fongo nyoko yaw ba kono toro be jamana kono gelew be jamana de unka o gelay aborami yala gelay nana irama wa sigata Allah Ta'ala ali ba fonyi Qur'ane kono Allah Ta'ala ba fonyi Qur'ane kono chogodi Allah Ta'ala go la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans son Coran sacré, lui Allah tabarak wa ta'ala, il ne change jamais la situation d'un peuple que lorsque ce peuple lui-même change ce qu'il y a en lui-même. Allah ta'ala ko ne ala te damakulushi jamanashi jamakulushi kala hala ne ala tafale fu jamana don yere ku kala hala ya fale no asro utum be here kono nana ne ala to here takabuka abadan fo u yere ka toro do ke bi mana mi me ke sobe ala be dimi ukoro ala bu ko toroy
abu uhereng aba yelema kake tore ukam ukore jumei sigati ala fem folo folo mimbe nankanko umiri nintoro nunu mbele jene nyama ude kasigin kata Allahu ta'ala ma jamana minkono slame ude kachan kata mebele jene nkam akakam anga sigin masama masami mbe nandara ala nantukura kan nabi nyumanka dineko anga tuku dine koni ambele jene nye anga njorofa anga tubi kasigin alama kamasa yuwele wa uhakli sigi mimbe ambulude uhakli sigi minami kanyini de u sekurite mimbe nami kanyini ala be sekurite ndama Allah va certainement nous accorder la sécurité, la tranquillité, si nous demeurions parmi du nombre de ceux qui le craignent.